It's very good to see you today. Plaisir de vous voir. This is the 2009 Montreal International CNETS Canada Carcinoid Neuroendocrine Conference for Patients and Medical Professionals. Nous sommes la Société Carcinoid Neuroendocrine au Canada à Montréal. My name is Maureen Coleman. I'm president of the Carcinoid Neuroendocrine Tumor Society Canada. And we are going to have a banner with both French and English starting in 2010. The theme of this conference is Neuroendocrine Cancers, the Case for Research, Education, and the Expert Team. We look forward to exploring this agenda today. We have been thrilled to have been able to partner with the Canadian Association for Nuclear Medicine to allow physicians to earn up to 8 hours of continuing medical education credits as a result of attending this conference. We thank our honored expert faculty for being here. We thank our distinguished Montreal faculty and also our distinguished faculty from Ontario, Canada, and Europe. Universitaires distingués qui sont venus aussi d'Ontario et d'Europe, le docteur Dan Granberg d'Uppsala en Suède, il est ici derrière. Et le docteur Jan Müller de Basel en Suisse, de Bâle en Suisse. Et nos commanditaires, nous vous devons une fière chandelle. Sans vous, ceci n'aurait pas pu avoir lieu. Novartis, Pfizer et tout. Notre conférence est enregistrée dans les deux langues. Marc Panterelli du département d'audiovisuel va travailler au cours de cette conférence avec 3 interprètes qu'on retrouve dans la grande boîte à l'arrière, sinon la cabine. Et cette conférence est enregistrée par Jonathan Sloan et John Voiklos ici. Merci John, Jonathan et Marc, et ainsi que nos 3 interprètes pour permettre cet enregistrement de la conférence pour le monde neuro-endocrinien en anglais et en français. Maintenant, une dernière chose, j'aimerais présenter Jim Carmes, le vice-président de CNET Canada. Bonjour. On a dit que le cancer nous affectait tous, que nous ayons la maladie, que nous l'ayons eu, que nous préoccupions de quelqu'un qui a le cancer ou que nous nous inquiétions de l'avoir. Nous avons deux personnes très spéciales de la famille Witton qui se rappellent de leur jeune frère qui est décédé le 4 septembre 2004, et la famille Herrera qui ont perdu leur fils Samir au cours de l'été 2008. Samir, la photo de Samir, la photo de leur fils, se retrouve sur le site web de CNET Canada. À partir de la page d'accueil dans votre cahier à nous, vous connaissez la mission et la vision de CNET. Et la deuxième page vous parle de nos objectifs d'apprentissage au cours de cette conférence. Pour concevoir une conférence qui mène à davantage d'idées et de résultats, il nous faut avoir des attentes plus élevées à propos de ce qui peut être réalisé lorsque nous amenons les gens, le contenu et d'importants défis ensemble, réunissant toutes ces choses ensemble. Alors, notre groupe de travail pour la planification stratégique a décidé d'aligner les participants et les conférenciers dans des directions spécifiques et de mettre de l'avant des objectifs d'apprentissage. Il s'agit moins d'un événement ici plutôt que la base de l'élaboration de connaissances. Les problèmes qui doivent trouver des solutions seront abordés demain et d'autres émergeront au cours de conversations et de réflexions que nous aurons entre nous. Il y aura des implications au niveau des comportements qu'il nous faudra influencer, modifier, promouvoir ou mettre de l'avant, non seulement
chez nous-mêmes, mais aussi dans nos cercles de vie respectifs. Nous savons que pour générer des changements bénéfiques à long terme, individuellement et collectivement, et de manière collaborative, eh bien, les gens doivent agir sur les nouvelles idées et leurs introspections. Nous sommes ici pour présenter de nouvelles idées et pour agir sur ces nouvelles idées ou grâce à ces nouvelles idées après notre conférence. Un objectif que nous partageons, c'est l'amélioration des résultats obtenus au cours des thérapies. Vous pouvez décider à propos de votre participation en vous posant la question pourquoi je suis ici ou pourquoi et qu'est-ce que je veux réaliser au cours de cette conférence. Des réponses à chacune de ces questions peuvent nous permettre de déterminer des objectifs individuels. En dépit de la diversité des personnes qui vont venir ici, qui participent, des gens qui sont des praticiens ou des chercheurs, des gens qui œuvrent dans l'industrie pharmaceutique, les gens que nous avons reconnus par exemple au début, nos commanditaires, pour ceux qui sont impliqués dans la recherche plus fondamentale, et on en entendra parler. Nous pouvons peut-être tous répondre à la question « qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que ça me permet de faire en termes d'engagement ?» Et ceci bien longtemps après la fin de cette conférence. Encore plus utile pour notre communauté de TNE, à propos du temps que nous passons ensemble, ce sera les réflexions et les questions qui seront soulevées durant les présentations. Utilisez les cartes que vous trouvez sur la table et nous colligerons les réponses que vous aurez mises à ces questions. Et nous les aborderons au cours des périodes de questions-réponses et nous les afficherons également sur notre site web. Je vous demande aussi de regarder dans votre cahier à nous. Bien que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se joindre à nous demain, nous invitons tout le monde à fournir leur propre contribution aux questions centrales qui seront abordées au cours des groupes de travail demain matin. Nous vous demanderons ces suggestions pour les afficher sur des cahiers pour que les gens puissent les examiner ce soir et en discuter demain sur des solutions possibles concernant les pourquoi et les autres questions qui sont soulevées. Il sera également utile de compléter l'évaluation du programme avec des suggestions concernant les futures conférences que nous allons organiser. S'il vous plaît, laissez ces suggestions avec Elissa. Elissa est derrière, près de la cabine. C'est la secrétaire de CNET. Maureen ou moi-même pouvons également colliger ces questionnaires. Et Madame Carol Bates, le docteur Otis, Robert Otis, qui n'est pas ici. Ah, il vient tout juste d'entrer. Alors, vous pouvez laisser ces évaluations avec n'importe lequel. Et le docteur Gary Shaw aussi. Avant de quitter ce soir ou demain après-midi. Alors, profitons du temps que nous allons partager ensemble et le docteur Peter Matrakos va nous présenter la première session, le diagnostic et le traitement